ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ne pas discuter et polémiquer sur les troubles et les épreuves qui touchent les musulmans, sauf en cas de nécessité et de besoin. Car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y aura des périodes de troubles. Celui qui restera assis sera meilleur que celui qui est debout. Et celui qui est debout vaudra mieux que celui qui marche. Et celui qui marche vaudra mieux que celui qui court. Et celui qui voudra les voir, ces troubles, sera entraîné par eux. Et celui qui trouvera un abri ou un asile, qu'il s'y réfugie. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc, relayez les informations H24 et dire il s'est passé ceci, il s'est passé cela sans aucun intérêt, alors qu'à la base, le musulman dans ces périodes doit s'affairer à l'adoration d'Allah et aux actes vertueux, alors ceci est un manquement dans la religion qui peut toucher le cœur.